Ouais, Maz. Ça va faire un bail maintenant que je foule les pelouses et a priori ce sera la dernière. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a nommé quand il a été question de me faire poursuivre un an de plus. C'était justement pouvoir faire un petit lien entre le projet Rio et le projet Tokyo. Donc le but c'était de démarrer ce projet Tokyo, participer à son lancement et puis après petit à petit disparaître des écrans pour la nouvelle génération. Cette saison elle va être basée sur beaucoup de renouveau. Il y a beaucoup de nations qui ont renouvelé leur staff. Il y aura forcément des renouvellements d'effectifs dans la plupart des équipes. Donc ça va être pour beaucoup et aussi pour nous pas un nouveau départ parce que il faut rester dans la continuité de ce qui s'est fait sur les années précédentes, mais par contre aller vers une évolution et tout en sachant que le prochain objectif ça reste la Coupe du Monde dans 2 ans à San Francisco et il faut préparer une équipe qui sera compétitive à San Francisco pour faire mieux qu'à Moscou il y a 3 ans. Il va falloir maintenant arrêter de se cacher derrière beaucoup de choses par rapport à nos ambitions. L'année dernière, on a fait 2 podiums. À Rio, on manque d'accéder au dernier carré pour très peu de choses. Donc je crois qu'il va falloir être ambitieux et avoir des résultats, mais surtout gagner en régularité. Il va falloir qu'on regarde toujours en haut et jamais se contenter de faire ce qui s'appelait autrefois des shields ou des balls, puisque le format a changé en tout cas dans l'appellation. Voilà, il faut avoir des objectifs de classement beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et est-ce que toi tu as des dérogations compte tenu de ton âge et tout ça? Non, moi je moi je vais donner le max comme j'ai toujours fait. Et après j'espère surtout que ma passion puisse déteindre sur les autres parce que sans la passion je pense qu'on va pas au-delà de ses capacités. Donc moi c'est juste ça, pouvoir transmettre ma passion un maximum.